Bonjour à tous et pour une nouvelle vidéo, comment faire du diabolo. Donc je vais vous apprendre les bases, ce sera tout simple. Bon, donc c'est parti. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si elle vous plaît pas, vous me direz dans les commentaires ce qui ne va pas. Donc voilà, excusez-moi, la caméra est un peu basse. Salut. Voilà, bon allez. Donc, je vais vous présenter juste le diabolo pour commencer. Vous voyez, moi c'est un diabolo à roulement. Si vous êtes droitier, vous verrez, pour les couleurs, ça dépend normalement quand vous l'achetez. Ça dépend des couleurs. Donc là, c'est noir. Là, là c'est blanc. Moi, vu que je suis droitier, je vais côté noir comme ça. Vous voyez, le noir, le blanc de mon côté, et le noir en face de moi. Donc, je vous apprends les bases. C'est parti. Là, donc, vous le posez par terre. Hop. Glissez la ficelle en dessous, ça c'est pas très compliqué. Vous le faites rouler vers le côté gauche. Puis vous donnez des petits coups comme ça avec la baguette. Voilà. Et puis si il commence à partir en avant comme ça, vous voyez, hop, bah là je me suis raté. Mais, attendez, là j'y arrive pas ce soir. Là. Vous voyez, maintenant si il part un peu en avant. Vous pouvez faire un tour et donner des trois. Donc si par exemple il part en avant, vous donnez le coup de baguette droite. Voilà, il se restabilisera jusqu'à voilà. Là il est stable, voilà. Donc là j'ai fait un tour. Donc pour faire un tour, vous laissez rouler. Voilà, vous mettez un peu dedans. Et puis vous faites un tour comme ça. Vous voyez, et après vous faites comme ça. Vous en faites rapidement. Plus vous ferez des tours, plus ça sera rapide et plus ça sera dur et plus ça sera rapide. Voilà, comme ceci. Voilà, donc c'est les bases. Voilà, si vous voulez, je peux vous apprendre quelques figures. Donc voilà, on fait stabiliser et on le fait sauter. Regarde, hop. Hop, là il a touché le plafond, moi, avec ses bases, c'est ma chambre. Voilà. S'il se met à trembler, c'est pas grave. Vous faites un tour. Vous faites vite ça. Et voilà. Donc voilà. Une autre figure aussi, c'est que vous jetez un peu en l'air. Hop, vous l'attrapez entre les dents comme ça. Voilà. Vous mettez votre baguette en l'air comme ça, voilà. Comme ceci. Et vous jetez. Avec la baguette, ça fera un tour. Normalement, voilà, ça se remettra. Donc voilà. Moi, je l'ai acheté sur Amazon. Amazon à 45 euros si vous le voulez. 45 euros pour un truc comme ça, c'est vraiment pas cher. Je vous le conseille. Si vous êtes amateur, c'est un des meilleurs. Ceux qu'on achète à Super U et tout, franchement, pour apprendre, c'est complètement nul. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Ah, un dernier truc, excusez-moi. Donc pour faire le tour, je vous disais, c'est de faire un rond comme ça. Voilà, comme ceci. Comme ça. Hop là. Autour du cercle. Et voilà. Et aussi on peut faire comme ça. Je vais le montrer dans une autre vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Si ce qui ne va pas, mettez-le en commentaire. Merci à tous. Ciao, ciao.